la grâce de Dieu soit votre partage. Laissez-moi m'apprêter et vous bénir dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous fasse du bien. Je suis dans la joie de partager ce moment avec vous. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, le Seigneur nous fera du bien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dites-moi si vous me recevez très bien. Nous voulons vous bénir dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pendant que vous élevez vos deux mains devant le trône de Dieu, j'aimerais vous inviter, bien-aimés, dans le Seigneur, à la prière. Yes, voilà. Je voudrais vous inviter à la prière. Pendant que vous élevez vos deux mains, je voudrais que vous puissiez déclarer et répéter après moi avec détermination et avec puissance, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha après 3 jours. Il est ressuscité d'entre le mort et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin. Mais il fuira par sept chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Dites-moi si vous m'entendez très bien. J'ai des écouteurs, si ça ne dérange pas. Si ces écouteurs-là sont très bien, si vous entendez très bien limpide ma voix, dites-le-moi. Si avec les écouteurs, c'est un peu compliqué, ma voix a un peu changé, dites-moi, je vais enlever les écouteurs pour que nous puissions très bien, n'est-ce pas, nous entendre. Vous m'écoutez bien? Je vous salue, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ, chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, de partout où vous êtes connectés, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Je voudrais vous dire, chers amis, que les 19 juin et les 20 juin, nous sommes en Suisse pour des entretiens prophétiques et des orientations prophétiques. Donc, les 19 et les 20 en Suisse, ne manquez pas, c'est puissant. Rendez-vous pour ceux-là qui sont déjà inscrits, n'est-ce pas? Vous aurez tout le détail dans le groupe. Et le 26 et le 27 juin, nous serons à Paris avant de partir pour la Belgique et les Antilles. Donc le 26 et le 27 juin, nous aurons des entretiens à Paris. Vous êtes dans nos groupes WhatsApp, nous allons annoncer cela et nous vous expliquerons comment cela va se passer. Nous reprenons, bien-aimés dans le Seigneur, le travail avec puissance et avec détermination parce que nous croyons que la volonté de Dieu est que vous soyez complètement libérés dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un, juste la semaine après, n'est-ce pas, Paris, nous serons
à Bruxelles. J'attends que le pasteur de lui me donne plus de précisions par rapport à ça, puisque c'est elle qui gère cet agenda. Donc, mais ne vous inquiétez pas. Donc le 19-20, nous sommes en Suisse, à Lausanne. Le 26 et le 27 juin, nous sommes à Paris pour des entretiens prophétiques et orientations. Et aussi la semaine qui suit, ça sera Bruxelles, après Bruxelles, l'Allemagne et, n'est-ce pas, les Antilles. Quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Jésus-Christ est Seigneur? Waouh! Est-ce que tu peux le proclamer, le déclarer, Jésus-Christ est Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut proclamer et déclarer que Jésus-Christ est Seigneur? Je suis tellement mal à l'aise avec ces écouteurs, je sais pas. Voilà, je ne suis pas habitué. Ça va? Je n'ai pas enlevé? Est-ce que vous m'entendez très bien? Oh God, la technologie, Seigneur. Amen. Alors, chers amis, je voudrais prendre avec vous Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12. Dites-le-moi, Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Dites-moi si vous avez trouvé ça et nous allons avancer. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous aide à avoir un micro, hein, un micro cravate. Hein. Ce serait bien que, comme ça, mes oreilles soient bien libérées, peut-être pour bien écouter le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Waouh, quel plaisir, un bonheur de vous retrouver. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Bien-aimés, nous avons reçu des témoignages exceptionnels. Je pense que j'ai partagé quelques-unes, n'est-ce pas, de notre programme d'hier, la prière d'hier, et c'était vraiment puissant et nous bénissons Dieu. Bien-aimés, cette prière est pour vous. Vous pouvez la prendre, vous pouvez l'utiliser selon que l'Esprit de Dieu peut vous conduire. Ce sont des services hautement prophétique que Dieu a préparé pour vous amener à une autre dimension, à une dimension de grâce, à une dimension de gloire exceptionnelle. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez utiliser cela, faire le même service. J'ai reçu des témoignages de personnes qui ont fait le service après. Ils n'étaient même pas connectés, ils n'étaient pas tout de suite en live. Mais après, quand ils ont fait le service, bien-aimés, ils ont expérimenté la main puissante de Dieu. Je voudrais, avant que nous puissions prendre Éphésiens, je voudrais quand même lire avec vous Matthieu chapitre 8, le verset 8. Matthieu, chapitre 8, verset 8. Avant que nous puissions lire Éphésiens, je vous invite à lire ensemble avec moi Matthieu, chapitre 8, verset 8. Invitez des amis, invitez des frères, allez-y dans le contact WhatsApp, invitez des gens, aimez la vidéo. Pendant que vous aimez la vidéo, vous cliquez sur votre bénédiction, vous cliquez sur votre grâce et la grâce de Dieu va vous localiser d'une manière exceptionnelle. La puissance de Dieu va vous localiser et un miracle de Dieu se passera dans votre vie d'une manière puissante, d'une manière glorieuse. J'en suis pleinement convaincu. Alors que vous likez, que le Dieu de mon onction, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob vous localise d'une manière exceptionnelle et que vous puissiez expérimenter la main puissante de Dieu dans votre vie, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors je disais que nous sommes en train de lire Matthieu, le chapitre 8, le verset 8. Quelqu'un a trouvé Matthieu, chapitre 8, le verset 8. Matthieu, chapitre 8, le verset 8. La Bible dit, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne. Quelqu'un avec moi ici. La Bible dit, je ne suis pas digne. Le centenier répondit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Il dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Écoutez, la distance n'empêche pas la main de Dieu
d'agir dans votre vie. Beaucoup de gens sont étonnés de voir que pendant que vous êtes en train de prier, vous voyez la manifestation de la gloire de Dieu chez vous. Et que je ne vous ai pas touché, je ne vous ai pas imposé les mains. Et là où vous êtes, dans n'importe quel coin du monde, vous voyez la main de Dieu. Écoutez, bien-aimés, la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure pour entendre. La Bible dit que ce sont nos fautes et nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Donc la main de Dieu peut vous localiser de partout où vous êtes. Dieu est capable de vous toucher de partout où vous êtes. Il suffit seulement que vous soyez connecté à son réseau. Or, le réseau de Dieu, c'est la foi. Il suffit seulement que vous soyez connecté à la foi et vous allez arracher votre miracle. Je veux dire à quelqu'un ici que Dieu n'a pas encore fini de faire des choses avec toi. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur toi. Il peut te visiter, il peut changer ta vie, il peut changer ton histoire, il peut tendre sa main sur toi et changer des choses dans ta vie. Et c'est fort et puissant ce que je suis en train de te dire. Donc Dieu est encore capable de te visiter et la distance n'empêche pas la main puissante de Dieu. Maintenant, allons-y, n'est-ce pas, dans Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 12. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12. Quelqu'un a trouvé cela? Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12. Je lis la parole du Seigneur. La Bible est en train de dire « car ». Des fois nous lisons beaucoup ce verset, mais des fois nous ne mesurons pas la portée prophétique qu'il y a derrière ce verset. D'accord? Des fois, nous lisons ce verset, mais nous ne mesurons pas la portée prophétique et glorieuse qu'il y a derrière ce verset. Quelqu'un entend le son de ma voix. Est-ce qu'on peut partager le lien dans tout le groupe? Parce que pendant que nous nous sommes connectés, il y en a qui sont encore en train d'envoyer des messages. Merci de partager dans tout le groupe, dans l'Hôtel d'Or, dans tout le groupe. Vous êtes membre du groupe de l'Hôtel d'Or. Envoyez un message à quelqu'un et dites « Daddy est connecté, connectez-vous ». Voilà pourquoi lorsque nous ouvrons des groupes bien-aimés pour des prières, nous désactivons le chat. Pourquoi? Parce que ça devient un moyen de distraction. Nous devons nous concentrer, n'est-ce pas, à la prière, s'il vous plaît. Voilà, merci Tommy, mon fils. Dites à quelqu'un, envoie un message et dites « Daddy est connecté, connectez-vous ». Connectez-vous, Daddy est connecté. Alléluia. Donc, partagez la connexion et même ceux qui sont dans le groupe d'Hôtel d'Or, dites-leur que nous sommes connectés dans n'importe quel groupe que vous êtes dans le groupe, n'est-ce pas, Famille Révolutionnaire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, même dans le groupe spécial de prière ou bien dans le groupe des CPR, des camps des prières révolutionnaires et dans des teams, partagez la connexion et dites. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Waouh! Merci de partager cela. Je vous bénis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Partagez le lien en envoyant un message. Connectez-vous sur ces liens puisque nous sommes en live. Des moments pareils, ce sont des moments de bénédiction. C'est donc des moments comme ça que nous nous connectons à la puissance de Dieu. Parce que nous ne sommes pas dans ce groupe bien-aimés dans le Seigneur pour rien. Si nous sommes là, c'est pour que nous puissions nous communier autour de la prière. Autour de la prière. Parce que nous voulons voir la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Et nous nous communions ensemble pour que la puissance de Dieu se manifeste dans nos vies. C'est très important, bien-aimés. Vous ne savez pas dans un live comme ça ce que Dieu est capable de faire dans votre vie. Parce que dans des moments pareils, la main de Dieu peut te toucher et te visiter d'une manière exceptionnelle. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, nous ne portons pas
un regard très, très pointillé par rapport, bien aimé, n'est-ce pas, à ces puissants versets. Je voudrais avec vous ici commencer un moment fort. Ça va nous conduire pendant un bon moment, selon que le Seigneur nous aidera. Mais nous allons traiter le problème des esprits déchaînés. Quelqu'un crie avec moi, esprit déchaîné. Quelqu'un crie avec moi, esprit déchaîné. Oh my God. Rabba Shandara Baba 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 Shindara Baba Se Ramandoro Boshindara Bagai Rabba Baba 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 Shindere Besa. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Est-ce que tu peux écrire déchaîné, esprit déchaîné? C'est une catégorie que de fois, nous ne faisons pas attention. Écoutez, ici, nous sommes à l'école de Dieu, de la délivrance et des réalités du combat spirituel. Nous sommes à l'école d'apprentissage. Et lorsque, cher ami, nous sommes en train de partager ce genre d'enseignement, prends ton cahier, prends un stylo ou je ne sais pas, ton bloc-notes ou ta tablette, écris quelque chose. Et ça sera de base de prière que tu vas, n'est-ce pas, te lever devant le trône de Dieu avec ça. Quelqu'un entend le son de ma voix. Bien-aimé dans le Seigneur, Éphésiens chapitre 6, verset 12. J'ai lu la parole du Seigneur. C'est un verset que nous avons l'habitude de lire. Mais je voudrais lire cela maintenant d'une manière très, très avisée avec vous. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, d'accord, mais contre les dominations. Une parenthèse, beaucoup de gens interprètent très mal ces versets où la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Beaucoup de gens interprètent ça très mal. Ils disent que non, le combat de la chair, ça veut dire que le combat de briser la malédiction de la famille, briser la malédiction du côté du père ou du côté de la mère, n'a pas lieu d'être. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est faux. C'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. C'est très important que vous puissiez connaître ces choses. Deuxième des choses, beaucoup de gens disent que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que Jésus-Christ nous empêche, n'est-ce pas, de briser la malédiction du sang. Pourquoi? Parce que le combat n'est pas lié à la malédiction du sang. D'accord? Donc, je vous dis, dans le choc de Dieu, vous devez, cher ami, avoir l'esprit de discernement. Parce que sur Internet, il y a de tout et de rien. Il y en a qui se postent comme des je ne sais pas quoi. Vous ne pouvez pas mettre foi à tout. D'accord? Donc, vous devez avoir un esprit de discernement. Et pour non seulement avoir un esprit de discernement, lorsque vous entendez un message qui parle de la délivrance, qui parle de Dieu, vous devez voir des évidences. Parce que là où on parle véritablement de Dieu, là où Dieu se trouve, il y a des preuves, il y a des évidences. Jean-Baptiste envoie ses disciples pour demander si Jésus-Christ était le Messie qui devait venir ou le Messie qui devait venir. Jésus ne lui dit pas que non, mais c'est vrai que je suis le Messie. Mais Jésus lui dit, les aveugles voient, le boiteux marche et tout ça. Il a parlé des évidences. Et même si quelqu'un fait des miracles par le diable, bien aimé, tu le verras, tu comprendras que ça, c'est le diable, par le moyen du Saint-Esprit qui te donne l'esprit de discernement. Mais maintenant, bien aimé, ne limitons pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est tellement très, très, très étendue que nous n'avons même pas exploré le 3% de la puissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
Lorsque la Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, la Bible ne veut pas nous dire que le combat du sang n'est pas un véritable combat, que le combat de la chair n'est pas un véritable combat. Je ne dis pas un combat de la chair, de se battre avec la chair, non. Je parle du combat de la chair, de la lignée de papa, de maman, paternelle, maternelle, n'est pas un véritable combat. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit seulement que notre combat n'est pas un combat physique. D'accord? Parce que ce qui est lié à la chair et au sang, c'est ce qui est physique. Notre combat est au-delà du physique. Mais écoute maintenant, la Bible dit, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Quelqu'un a lu ça? Est-ce que quelqu'un a lu ça? Est-ce que quelqu'un a lu ça? La Bible est en train de nous parler des... Je vous ai déjà une fois enseigné ces choses. La Bible est en train de nous parler des catégories, des lignées, de catégories, n'est-ce pas? Des esprits qui agissent, des esprits maléfiques. Je vous avais déjà dit, tous les démons ne se ressemblent pas. Et tous les démons n'ont pas le même pouvoir. Et tous les démons, on ne les chasse pas de la même façon. Tous les démons ne partent pas quand tu cries au nom de Jésus, part. Il y a des démons, quand tu cries au nom de Jésus, ils te frappent. Il y a des démons qui ne partent que lorsqu'il y a une vie de prière, une vraie consécration. Il y a des démons, tous les démons n'ont pas la même catégorie, faites attention. Et ce sont des réalités spirituelles que vous devez savoir dans le domaine du combat spirituel. Voilà pourquoi la Bible est en train de parler de ces hommes qui est en train de chasser les démons. Il dit, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons disent que nous connaissons Paul. Ça veut dire, Paul est déjà, il est présenté, il était présenté dans le monde des esprits. Paul était connu, il avait une autorité spirituelle. Et alors il dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais vous, vous êtes qui? Vous n'êtes pas identifié. Ils n'étaient pas identifiés. Voilà pourquoi, cher ami, on ne s'hasarde pas. Il y a un frère qui entendait parler de la délivrance, surtout sur Internet. Il y en a de partout qui nous disent tout et n'importe quoi. Et lorsque nous n'avons pas la sagesse et le discernement de Dieu, nous tombons dans des pièges maléfiques. Et quelqu'un qui, voilà. Et le frère là, il entendait une fois, il voit sa maman qui était tourmentée. Il commence à chasser les démons. Il commence à chasser les démons qui étaient dans le corps de sa maman. Or, la catégorie de ces démons-là, c'était des esprits territoriaux. Ce n'étaient pas des petits démons. C'était des esprits territoriaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces démons-là ont quitté la vie de sa maman et sont entrés en lui. Alors, la maladie que sa maman avait, le tourment que sa maman n'avait plus ça, c'était lui qui avait ça. Et il fallait un travail fort pour que ce frère soit délivré. Et le Seigneur nous a utilisés par sa grâce pour que ce frère expérimente sa délivrance. Donc tous les démons, tu ne peux pas le chasser de la même façon. D'accord? Parce qu'il y a des catégories et des catégories. Il y a des démons qui partent. Lorsque tu dis au nom de Jésus, sort, il sort. Mais il y a des démons où tu dois jeûner pour qu'ils puissent te lâcher. Il y a des démons où tu dois, bien aimé dans le Seigneur, être un homme et une femme de discipline spirituelle. Il y a des démons qui partent, des catégories qui partent seulement lorsque tu es en train de bâtir des autels. Et tu renforces tes autels. Écoutez, lorsque Dieu nous a parlé de cet enseignement des autels, bien-aimés, nous avons eu trop de combats. Et ça ne m'étonne pas que le diable n'aime pas entendre ça. Ça ne m'étonne pas que le diable... Parce que le diable sait que c'est le secret. Et je me rappelle, ça ce n'est même pas notre première chaîne. Peut-être que c'est la première fois que vous nous suivez ou bien ça fait quelques mois que vous nous suivez. Non, nous avons eu une première chaîne qui a été signalée.
où nous avons plus de 80 000 combien d'abonnés, on atteignait déjà les 100 000. Cette chaîne a été signalée, nous partageons ces choses. Et les personnes qui ont signalé ces chaînes, ce sont des soi-disant hommes ou femmes de Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai béni Dieu parce que les enseignements des hôtels commencent, bien aimé, à ouvrir les enfants de Dieu les yeux. Combien de témoignages que nous avons derrière ça? Combien de témoignages, vous-même qui êtes en train de me suivre, si seulement je suis en train de, je commence à vous dire, écrivez les témoignages que vous avez vécu à cause des hôtels que vous avez bâtis pour Dieu. Bien aimé, vous allez écrire. Aujourd'hui, j'ai béni Dieu parce que les enseignements des hôtels commencent, beaucoup de gens commencent à parler. Je ne dis pas que j'étais précurseur, mais par la grâce de Dieu, lorsque nous étions en train de parler de ces choses, combien de fois on était combattus, on était jugés de tous les noms. Lorsque nous avons commencé à prier pour l'huile, je connais des grands ministères que nous appelons, des grandes assemblées qui réunissent des millions de personnes qui s'opposaient à l'huile d'onction. Qui se disait que non, nous avons déjà l'huile de Dieu sur la tête et c'est bon, on n'a plus besoin de l'huile. Mais aujourd'hui, tout le monde ne jure que par l'huile d'onction. Lorsque nous avons commencé à parler du sel, quand on a commencé à révéler des réalités spirituelles dans le combat spirituel par rapport au sel, beaucoup de personnes s'opposaient à ça. Ils disaient c'est de la magie, ils disaient c'est les gars d'affaires, c'est les quimboiseurs, c'est pas Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu commence à manifester sa gloire et beaucoup de personnes ont compris certaines réalités. Lorsqu'on parlait, bien aimé, de tout ce, j'ai béni Dieu parce que je parle tant qu'un apôtre, permettez-moi. Il y a un mouvement puissant de la délivrance qui s'élèvera dans des nations, dans le monde, qui touchera les réseaux sociaux. Je parle de véritable ministère de délivrance qui sauvera la vie de plusieurs, qui sortira plusieurs des prisons sataniques. Beaucoup des enfants de Dieu souffrent. Et c'est comme cette femme qui était courbée. Les autres entraient dans les temples, elle était courbée. Mais le jour que Jésus fait un miracle sur elle, on commence même à accuser Jésus de ses miracles. Je ne suis pas étonné. Aujourd'hui, vous êtes avec moi, vous les révolutionnaires, chers amis, chers révolutionnaires. Vous voyez maintenant comment la dimension que Dieu commence à nous prendre. À nous amener, où vous voyez que les choses bizarres, les insectes, des corps étrangers sortent du corps des gens. On va traiter ça de tous les noms, mais je sais que le temps arrivera où les gens sauront que la main de Dieu n'a pas de limite et que tout ce qui est spirituel peut être matérialisé pour que tu voies la main de Dieu. Et voilà pourquoi, pendant ce temps de jeûne, je suis déchaîné. Eh, bien-aimé dans le Seigneur, en cette colère pour te dire que ce que le diable a placé dans ton corps, tout corps étranger sortira. Que ça sort spirituellement ou ça sort physiquement, ça sortira. Quelqu'un dit avec moi, la puissance de Dieu n'a pas de limite. Oh my God. Ça m'étonne lorsqu'un miracle se fait. Les gens disent que le diable, c'est Satan. Donc nous prétendons que le diable est plus fort que Dieu. Nous prétendons que le diable est plus fort que Dieu. Mais quel Dieu nous servons? Nous prétendons que la puissance de Dieu ne se limite que dans les histoires de la Bible. Oh oui, Abraham a fait ça. Oui, Moïse a frappé et l'eau s'est divisée en deux parties. Bien aimé, les Moïse d'aujourd'hui sont encore là. Dieu doit élever des Moïse, il doit élever d'Abraham, il doit élever des Josué qui sont capables d'arrêter le soleil. Les miracles ne sont pas arrêtés qu'à la Bible. Lorsque nous disons que ça, ce n'est pas Dieu, c'est les sorciers, c'est le... Mais bien aimé, où mettez-vous Dieu?
Moi, j'ai accepté un Dieu de la puissance, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de la puissance. J'ai dit à Dieu, si tu m'as appelé, c'est pour la puissance, c'est pour humilier les œuvres de l'ennemi, c'est pour que ta puissance se manifeste dans la vie de tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God. Et c'est bizarre de voir les gens parler en pensant qu'ils connaissent Dieu plus que Dieu lui-même. Même moi, je n'ai pas encore arrivé à maîtriser tous les paramètres. Je me laisse seulement conduire par Dieu. J'ai dit, Seigneur, amène-moi. Je n'ai pas dit, hey, Seigneur, pas cette dimension. Non, j'ai dit, amène-moi dans des profondeurs en profondeur, des dimensions en dimension, des hauteurs en hauteur, même des choses qui dépassent mon entendement. Je vais partager, c'est pas si j'ai partagé ce témoignage, je vais le partager après les lives dans le groupe WhatsApp. Une sœur, pendant qu'elle était en train, je ne sais pas si elle est connectée, pendant qu'on était en train de faire le service hier, quand elle finit le service, elle voit un serpent mort devant sa porte. Elle a même fait des photos, je vais vous envoyer et l'audio. Un serpent mort. Et lorsqu'ils essayent, ils voient des asticots dans le serpent. La puissance de Dieu, tout démon, tout sorcier qui se transforme en un serpent, à un insecte, qui se transforme à un animal, à une bête, il sera frappé. Hey! Voilà. Je reviens. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Quelqu'un entend le son de moi? Est-ce que tu peux faire mon téléphone? Comment? Waouh! Je dis que ceci, cher ami. La Bible parle, la Bible dit, contre les dominations, d'accord? Contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants. C'est là. Nous allons développer ensemble avec vous, pendant le temps que Dieu voudra. Mais je prie Dieu que Dieu me donne la grâce de développer cet enseignement et de prier avec vous. Surtout dans ce programme que nous sommes en train de faire pour briser les célibats et briser les problèmes qui combattent les couples bien-aimés. Dieu va manifester sa gloire. Nous allons prendre le temps avec ces gens d'enseignement et nous allons à chaque enseignement prier. Et la gloire de Dieu va se manifester. Est-ce que quelqu'un croit à la puissance de Dieu? Oh my God. Est-ce que quelqu'un croit à la puissance de Dieu? Oh my God. Est-ce que quelqu'un croit à la puissance de Dieu? Reçois ton miracle déjà là où tu es. Est-ce que quelqu'un croit à la puissance de Dieu? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est le tout-puissant? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est le tout-puissant? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est le tout-puissant? Wow! My God. Les esprits déchaînés sont la catégorie des esprits méchants. Écoutez bien, aimé. Tous les démons, vous savez que les démons étaient d'abord des anges de Dieu. Ils ont été corrompus par le diable. Et lorsqu'ils étaient chassés sur la terre, ils sont devenus des anges déchus. Ce que nous appelons des démons, des acolytes du diable. Et je vous avais enseigné dans nos enseignements de la haute spiritualité que tous les démons ou bien tous les anges déchus qui ont été chassés n'avaient pas la même position. Même Satan n'était pas un petit ange. D'accord? Beaucoup de gens maintenant disent j'étais un chérubin, beaucoup de gens disent c'était un archange. J'avais déjà enseigné ces choses quand je parlais dans géologie, je vous avais déjà enseigné. Bien-aimé, s'il vous plaît, c'est très important d'écouter cet enseignement-là parce que tu risques de te perdre dans des choses que nous disons.
Va sur YouTube, après le live, va sur YouTube, sur notre chaîne Prière des Sentinelles. Tape seulement la haute spiritualité. Il y a au moins 23 numéros. Prends le temps d'écouter chaque numéro après chaque numéro. Même réécoute, tu seras enseigné et ça va t'ouvrir les yeux spirituels. Les écailles vont tomber et tu monteras, tu grandiras dans la spiritualité avec Dieu. D'accord? Donc, tous les démons qui ont été chassés n'avaient pas la même catégorie. Il y a des démons qui étaient dans une autre catégorie. Il y a des démons, il y a 24 numéros. Merci ma fille Violetta. Il y a 24 numéros. Donc, il y a des démons qui avaient une certaine catégorie. Donc, tous les démons n'avaient pas la même catégorie. D'accord? Donc, ce qui veut dire que les démons qui étaient chassés, les anges déçus qui sont chassés, tous n'étaient pas de la même catégorie. Et la catégorie que nous voulons explorer avec vous, c'est la catégorie des esprits méchants. D'accord? Lorsque nous parlons des esprits déchaînés, nous parlons spécifiquement, quelqu'un me dit encore numéro, on a 25 numéros, gloire au Seigneur. Lorsque nous parlons des esprits déchaînés, nous parlons spécifiquement de la catégorie des esprits méchants. Et la catégorie des esprits méchants, c'est une catégorie que des fois nous négligeons, mais c'est une catégorie qui agit directement dans la vie d'une personne. Je vous avais dit, selon la catégorie des esprits, il y a des esprits qui gèrent des continents. Il y a des esprits qui gèrent des systèmes de mentalité. Il y a des esprits qui gèrent des systèmes mondiaux. Donc, tous les démons n'ont pas la même catégorie. Vous voyez, il y a des démons qui gèrent des nations, qui gèrent des systèmes de mentalité. Il y a des démons, même derrière des racismes, il y a des démons qui gèrent ces choses-là. Il y a des démons qui gèrent des inégalités dans la société. Il y a des démons qui gèrent des catastrophes dans la société. Il y a des démons, donc il y a des catégories et des cas, des catégories. Mais la catégorie des esprits méchants, c'est la catégorie des esprits qui ont un lien direct avec l'humain. La catégorie des esprits méchants, c'est la catégorie des esprits qui ont un rapport direct avec l'être humain. Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que jusque-là ça va? Vous voyez? Donc, je disais que lorsqu'on parle des dominations, je ne vais pas revenir dans cet enseignement parce qu'on ne va pas arriver à progresser parce que nous en avons déjà parlé. Allez-y, écoutez ces enseignements sur la haute spiritualité. Je vous expliquais les dominations, leur travail. J'expliquais, n'est-ce pas, leur pouvoir maléfique et leur but d'ailleurs. J'ai parlé des autorités. J'ai parlé des princes de ces mondes des ténèbres parce qu'il y a des démons qui sont des princes. D'accord? Parce que l'ennemi, le diable, gère son royaume maléfique avec des princes. Et nous vous avons aussi enseigné les quatre facettes du diable. Comment il fonctionne. Mais dans ces quatre facettes, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient. Omnipotent, omniscient, omniprésent, c'est Dieu. Parce que le diable est une créature. Et Dieu est le créateur. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc, la catégorie des esprits méchants. Écoutez, les esprits mauvais sont déjà méchants. Est-ce que vous êtes avec moi? Les esprits mauvais sont déjà des esprits méchants. Ce sont des esprits bien-aimés qui ne fonctionnent pas pour le bien-être de l'homme. Ils ont le but du mal. Leur but, c'est de faire du mal. Donc, ils fonctionnent dans la méchanceté. Terrible. Mais par contre, la catégorie des esprits méchants ou la catégorie des esprits qui ont un lien direct avec l'humain, c'est une catégorie encore d'une méchanceté hors pair.
Lorsque je parle des esprits déchaînés, je parle des démons qui agitent avec violence ou qui agissent avec violence. Des démons très excités qu'on ne peut pas arrêter. Ce qui est quand tu as le son de ma voix. Écoutez, les esprits déchaînés, lorsque tu ne le connais pas, nous allons ensemble avec vous énumérer par la grâce de Dieu et briser, attaquer chaque démon, chaque esprit déchaîné. Nous en parlerons au moins une centaine. Si ce n'est pas une centaine, on parlera peut-être selon que Dieu nous fera grâce. Mais nous allons attaquer et nous allons parler de chaque esprit déchaîné. En fait, ce sont des esprits qui ne s'arrêtent pas. Et ces esprits-là, face aux esprits déchaînés, il faut une violence spirituelle. Il faut une agression spirituelle. Les esprits déchaînés, ce sont des esprits qui agissent avec violence. Des esprits, on a de la peine à arrêter. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Ils agissent avec violence. Ils sont déchaînés. Ils sont endiablés. Ils représentent le côté le plus maléfique du diable. Ça veut dire que ce sont des esprits, non seulement les démons ont la haine contre les humains, mais ces esprits-là ont une méchanceté et une haine hors pair. Nous sommes là pour vous équiper. Nous sommes là pour élever Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là pour vous ouvrir les yeux sur les réalités du combat spirituel pour que vous puissiez prendre les dessus et briser les œuvres de l'ennemi Satan. Mais vous ne pouvez pas, cher ami, vaincre un ennemi que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas vaincre un ennemi que vous ne maîtrisez pas. Vous ne pouvez pas vaincre un ennemi que vous ne connaissez pas son fonctionnement. Vous ne pouvez pas. Voilà pourquoi vous avez de la peine à sortir dans certains combats. Vous avez de la peine à remporter des victoires dans certains combats. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas le fonctionnement de votre ennemi. Or, votre ennemi connaît la spiritualité et il sait comment, n'est-ce pas, attaquer. Et nous, nous ne maîtrisons pas comment attaquer. Nous ne savons pas comment traiter avec chaque catégorie de démons. Je vous avais dit, les démons ne sont pas seulement quand tu dis au nom de Jésus. Ce n'est pas pour compromettre la puissance du nom de Jésus. Oh, fais attention, cher ami. La puissance du nom de Jésus est très, très, très hautement puissante. Le problème, ce n'est pas forcément le nom de Jésus-Christ. Le problème, c'est que ce nom-là est cité dans la bouche de qui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des esprits enflammés, excités. Ce sont des esprits enragés, furieux, soulevés. Ce sont des esprits enragés. Lorsqu'on parle des esprits déchaînés, c'est une armée forte que l'ennemi utilise pour arriver à sa fin. Pour arriver à assouvir ses besoins maléfiques. Alors, lorsque tu ne sais pas l'attitude que tu dois opter pour attaquer les esprits déchaînés, bien aimé, il y a un souci. Je vais vous énumérer, vous citer quelques esprits déchaînés et nous allons entrer dans la profondeur. Est-ce que quelqu'un veut que j'avance? Est-ce que quelqu'un veut que j'avance? Si tu veux que j'avance, dis avec moi, Daddy, avance. Come on. Commence déjà à liker la vidéo là où tu es. Nous sommes à 993 personnes connectées, mais il n'y a que 717 personnes qui ont liké. Que Dieu bénisse les personnes qui likent la vidéo et qui n'ont que chose spéciale vous localise. Écoutez.
Les enseignements que nous commençons maintenant s'appellent l'école de la puissance de Dieu. On va l'abréger l'école de la puissance. Donc lorsque tu entends l'école de la puissance, c'est l'école de la puissance de Dieu. C'est aussi l'école de la délivrance. L'école de la puissance et l'école de la délivrance. Parce que, écoutez, les esprits déchaînés méritent un enseignement très avancé et très poussé. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Oh my God! Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Tes esprits enragés, furieux, endiablés, irrités, surexcités. Des esprits frénétiques. Ils sont déchaînés. Et des fois, nous ne prêtons pas fortement attention à cela. Bien-aimés dans le Seigneur, des esprits qui agissent avec violence. Je vais vous énumérer quelques esprits aujourd'hui. Et nous allons avancer. Et nous allons partager par la grâce de Dieu comment briser ces genres d'esprits. Et je vous avais déjà dit, cher ami, que les esprits déchaînés, pour les briser, il faut une violence spirituelle. Écris avec moi, violence et agressivité spirituelle. Écris avec moi, violence et agressivité spirituelle. Il faut une violence. Lorsque dans les domaines spirituels, tu ne connais pas la violence spirituelle, je parle de la violence spirituelle, tu auras de la peine à remporter des victoires. Premier esprit, bien-aimé, de catégorie des esprits que nous devons attaquer, ces esprits déchaînés, bien-aimés, ce sont des esprits qui résistent. Comment vous expliquer? Quelles sont les caractéristiques ou les cahiers de charges, voilà. Les cahiers de charges de ces esprits déchaînés. Quelles sont leurs caractéristiques? Quel est leur mode de fonctionnement? Comment ils fonctionnent? Comment je peux, n'est-ce pas, connaître le cahier de charges, leur mode de fonctionnement? Quelqu'un avec moi ici? Première chose que tu dois savoir sur les esprits déchaînés, ce sont des esprits qui résistent aux ordres. Oh my God! Quelqu'un a entendu le son de ma voix? Ce sont des esprits qui résistent aux ordres. Les esprits déchaînés sont des esprits têtus. Ce ne sont pas comme des petits esprits, non. Et ils résistent même aux ordres. Voilà pourquoi il y a des personnes qui brisent l'esprit des célibats, ils brisent l'esprit des célibats. Le célibat ne part pas. Pourquoi? Il n'y a pas une puissance que tu dégages. Il y en a qui brisent l'esprit qui combat leur mariage. Ils brisent cet esprit qui combat leur mariage. L'esprit ne part pas. Pourquoi? Il n'y a pas une base légale. Première caractéristique des esprits déchaînés, ce sont des esprits qui résistent aux ordres donnés. Ça veut dire, tu peux lui donner un ordre et il va s'opposer à cela. Leur caractéristique, c'est qu'ils résistent. Ils résistent aux ordres. Ce sont des esprits têtus. Et parmi ces esprits, je ne vais pas aller encore loin parce que nous risquons de nous perdre, parce que c'est très fort ce que nous voulons dire. Mais je vais quand même te dire, parmi ces esprits aussi figurent les esprits des maris et femmes de nuit. Les esprits des maris et femmes de nuit. Il n'y a pas que eux, il y a au moins une centaine que je vais citer ici avec vous.
Mais les esprits de mari et femme de nuit font aussi partie des esprits déchaînés. Ils résistent aux ordres. Voilà pourquoi je dis toujours à un enfant de Dieu, lorsque tu pries, tu ne vois pas de résultats. Va maintenant, commence à prier en jeûnant. Applique le jeûne. Lorsque tu pries, tu jeûnes, tu ne vois pas de résultats. Bien-aimé, commence à prier en faisant des veillées de prière. Organise-toi avec des veillées personnelles. Lorsque tu pries, tu jeûnes, tu fais des veillées, tu ne vois toujours pas de résultats. Entre dans la dimension des autels. Là, 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 c'est la puissance contre puissance. Dans la dimension de bâtir des autels, en renversant les autels maléfiques, en renforçant tes autels et en arrosant tes autels, tu auras la victoire. Première caractéristique, ce sont des esprits qui résistent aux ordres. Deuxième caractéristique, ce sont des esprits qui opèrent avec une colère terrible. Oh! Quelqu'un entend le son de ma voix. Ce sont des esprits. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-le-moi si vous me recevez 5 sur 5. Ce sont des esprits qui opèrent avec une colère terrible. Lorsque l'ennemi vient t'attaquer, il ne vient pas t'attaquer en jouant avec toi. Il ne vient pas t'attaquer pour jouer, non. Il y a des missions que le diable utilise son armée des esprits déchaînés. Et je veux, au travers de cet enseignement, par la grâce de Dieu, vous expliquer comment est-ce que des esprits peuvent être non seulement déchaînés, mais acharnés contre toi. Deuxième symptôme ou deuxième cahier de charge, des esprits qui opèrent avec une colère terrible, maléfique. Troisième des choses que nous devons savoir sur les esprits déchaînés, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des esprits qui menacent et qui se vantent. Ce sont des esprits qui se vantent de leur prouesse maléfique. Non seulement que le diable est orgueilleux, non seulement que le diable a été chassé du ciel à cause de ses de son orgueil et de ses habitudes maléfiques, bien-aimés, les esprits déchaînés sont des esprits qui menacent. Tu es menacé, ce sont des esprits déchaînés. Attaquer la nuit. Menacer dans un domaine de ta vie. Et ils se vantent de leur prouesse. Lorsque nous partageons ces choses, ce n'est pas pour te donner la peur. C'est pour te dire que Dieu t'a donné le pouvoir, la puissance de briser ces choses. Mais tu dois savoir comment utiliser ta puissance. Comment tu dois utiliser le pouvoir que Dieu a mis en toi. Comment tu dois traiter avec fermeté contre ce genre de catégorie d'esprit? Ils se vantent de leur prouesse maléfique. Ils menacent. Ce sont des esprits. Ils peuvent aussi prononcer et provoquer des voix étranges aux oreilles de leurs victimes. Vous entendez des voix. Je vous avais dit, hein, faites attention, chers amis, faisons attention. Tout le monde qui entend des voix qui lui parlent dans ses oreilles ou dans son cœur, crois pas que derrière ça, il y a toujours Dieu. Fais attention. Il y a certaines voix aussi que toi tu penses que c'est la voix de Dieu ou une orientation de Dieu. Oh, derrière ça se cache l'enfer.
Voilà pourquoi tu dois monter dans la dimension du discernement. Ce sont des esprits bien-aimés qui peuvent aussi, leur fonctionnement, ils prononcent de voix étranges. Il y a des personnes comme ça, tu entends qu'on t'appelle, qu'on cite ton nom. Et quand tu tournes le visage, il n'y a personne. Ou tu entends qu'on chuchote dans tes oreilles. Tu entends de certains bruits bizarres dans ta maison. Des claquements de portes. Il y a des maisons ancrées par les esprits déchaînés. Dirigées par des esprits déchaînés. Ils s'amusent et se vantent d'attaquer leurs victimes. Beaucoup de personnes sont tombées dans des folies comme ça. Parce qu'ils attendaient de voir. Écoutez, les médecins peuvent donner les noms qu'ils veulent à cette maladie-là. Mais je suis en train de te dire, hein, cette maladie-là, bien aimée dans le Seigneur, ce n'est pas une folie normale. D'ailleurs, la folie n'a jamais été normale. Derrière la folie se cachent des esprits déchaînés. Je vous avais dit, quelqu'un qui est dans la folie, il est en train de payer une dette qu'il n'a pas peut-être contractée. Ou il est en train de payer, bien aimé, une sanction. Il est sous une sanction de choses qu'il a faites ou de choses qu'il n'a pas faites. Mais on donne ces personnes à la charge des esprits déchaînés. Le médecin peut appeler ça, je ne sais pas quel nom de maladie. Oh non, tu es au premier degré, au deuxième degré, dépression troisième degré. Mais derrière certaines dépressions, se cachent des esprits déchaînés. Et il y a quelqu'un qui me disait, Daddy, à chaque fois que je passe sur ce pont-là, Daddy, j'entendais une voix qui me dit, avec une force qui me dit, jette-toi. Il donne des commandes, il donne des ordres. Si ces esprits, chers amis, résistent aux ordres, c'est que ce sont des esprits qui donnent des ordres. Il lui dit, jette-toi. Et il dit, David, je sentais une puissance parce que je voyais tellement j'avais trop de problèmes. Tellement qu'à la maison, j'avais des problèmes. Au travail, j'avais des problèmes. Avec mes enfants, j'avais des problèmes. Dans la famille, j'avais des problèmes. Tous les problèmes du monde étaient sur moi. Bien-aimé, écoutez. Lorsque vous remarquez ces choses-là dans votre vie, vous devez savoir, lorsque vous sentez que les tempêtes s'élèvent de tous côtés, bien-aimés, ce sont les esprits déchaînés. Là, ta façon de prier doit changer. Ta façon de chercher Dieu doit changer. Tu dois monter dans une autre dimension. Tu dois entrer dans une autre dimension avec Dieu. Tu dois entrer dans la prière, dans le jeûne, dans les veillées de prière, dans les services prophétiques, dans les bâtir les autels, renverser les autels, renforcer les autels de Dieu, arroser les autels de Dieu, les sacerdoces de Dieu. Tu dois entrer à utiliser les armes prophétiques, les éléments de la puissance de Dieu. Tu dois entrer parce que les esprits déchaînés se sont levés. Je fais la délivrance d'un frère par la grâce de Dieu. Il me dit, Daddy, ça me faisait des fois, j'entends une voix qui m'appelle au dehors. Personne n'entend cette voix. Ça vous est, je ne sais pas, vous êtes en train de me suivre. Peut-être que vous avez expérimenté ça dans votre vie. Que vous entendez une voix qui vous appelle dehors. Ou lorsque vous dormez, vous entendez quelqu'un vous appeler dans votre sommeil. Quelqu'un vous appelle et vous vous réveillez. Vous pensez, vous commencez à vous poser la question. C'est dans la réalité ou c'est dans le rêve? Vous êtes confondu, confus plutôt. Et vous ne savez pas que la voix que vous avez entendue, est-ce que c'est dans la réalité ou c'est, n'est-ce pas, dans le rêve? Vous êtes confondu. Vous entendez qu'on crie votre nom. On cite votre nom. Vous êtes dans un endroit, dans un environnement, soit dans un
marché. Et vous entendez qu'on cite votre nom. Mais on les crie fortement. Et lorsque vous regardez derrière, vous ne voyez personne. Ce sont des esprits déchaînés. Voilà pourquoi je suis en train de dire à un enfant de Dieu. Ta délivrance dépend aussi de toi-même. On peut t'enseigner la délivrance avec toutes les stratégies de Dieu possibles. Mais si toi tu ne bouges pas, les choses ne bougeront pas. Tu dois arrêter d'être une victime. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dis avec moi, je dois arrêter d'être une victime. Dis quand je dois arrêter de me comporter comme une victime. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Ce sont des esprits, les esprits déchaînés. C'est aussi des esprits qui attaquent souvent dans les rêves. Tout ce qui se passe dans tes rêves, le 90%, ce sont des réalités de ta vie physique et de ta vie spirituelle. Ne néglige pas ce qui se passe dans tes rêves, parce que les rêves révèlent tes réalités physiques et tes réalités spirituelles. Ils attaquent dans les rêves. Je vous avais enseigné, chers amis, il y a des attaques que vous ne pouvez pas voir. Ne croyez pas que puisque vous ne voyez pas ces attaques-là, que tu n'es pas attaqué. Lorsque dans ta vie, tu vois quelques symptômes de la vie d'une personne sous l'emprise des esprits déchaînés, bien-aimés, dis-toi que ces esprits ont pris une autre dimension. Parce que, écoutez, chers amis, la dimension la plus forte des esprits maléfiques qui attaquent ta vie, c'est lorsqu'ils ont la capacité de se cacher. Oui, lorsque tu dévoiles un combat, ces esprits-là ne sont plus forts. Lorsque Dieu te révèle, parce que la Bible dit d'ailleurs, tout ce qui est révélé est condamné. Donc lorsque tu vois le visage, lorsque la personne est démasquée, lorsque tu vois le visage de ceux qui te combattent, sache déjà qu'ils ont perdu une puissance, une grande puissance, parce que la puissance maléfique fonctionne dans les ténèbres. Or, dans les ténèbres, c'est tout ce qui est occulte. Quand on dit occulte, c'est ce qui est caché. Voilà pourquoi certaines personnes continuent à rêver de voir qu'ils sont en intimité avec un homme, mais ils ne voient jamais leur visage. Or, la puissance des esprits maléfiques, bien-aimés, agissent aussi lorsqu'ils se cachent. Donc, je dis à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu ne vois pas des attaques palpables dans les rêves que tu n'es pas attaqué. Pour savoir que tu n'es pas attaqué, il faut voir que dans ta vie, les choses avancent. Mais lorsque tu sens certains combats et tu vois même pas dans les rêves des attaques, dis-toi que ces esprits sont ancrés, enracinés. C'est comme nous parlons de différence des maris de nuit. Il y a des maris de nuit actifs et des maris de nuit silencieux. Des maris de nuit actifs, tu le vois une fois la semaine, trois fois la semaine, une fois le mois, trois fois le mois, cinq fois le trois mois. Mais le mari de nuit silencieux, c'est le plus dangereux parce qu'il a déjà la capacité de se cacher. La Bible parle des gens, dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit les voleurs. Un voleur ne vient jamais démasquer. La Bible dit les voleurs ne viennent que pour détruire, dérober, égorger. Mais moi je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Donc tout pouvoir maléfique vient d'abord caché, d'une manière cachée, insoupçonnée. Je vous dis toujours, chers amis, les diables, les œuvres du diable, les œuvres de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, se passent dans les détails, se cachent dans les détails. Faites attention aux détails. Lorsque tu es un homme et une femme spirituelle, ne néglige pas les détails. Tu peux sentir que tu as un petit mot de tête, mais léger. Et tu dis, oh, ça va passer. À
que ça. Tu ne sais pas, derrière ces petits mots de tête légers, quel est l'arsenal des combats des esprits déchaînés qui sont derrière toi. Qu'est-ce que le diable est en train de cacher derrière ces mots de tête? Voilà pourquoi je dis toujours à un enfant de Dieu, lorsqu'il y a quelque chose qui ne joue pas dans ton corps, ne sois pas à l'aise jusqu'à ce que cela soit délogé de ton corps. Lorsque tu sens dans ton corps une malaise, tu sens qu'il y a quelque chose qui marche, qui circule dans ton corps, tu sens des picotements, bien-aimé, attaque cela, ne t'habitue jamais avec ça. Hey! Plus tu le laisses dans le corps, plus tu lui donnes le pouvoir, plus tu vas t'habituer avec ça, plus ça va te conduire à une mort précipitée. Parce que chaque chose que le diable met dans nos corps, c'est pour nous amener à la mort. Des fois à la mort subite, des fois à une mort précipitée, précoce, et des fois à une mort à petits pas, mais sûr. Tu dois te battre. Tu ne connais pas le problème que tu as, si c'est dans quelle catégorie des esprits. Il y en a qui sont négligents. Ils baissent les bras. Ils baissent les bras. Oh non. Oh finalement. Oh non, mais. Oh, parce que je ne sais pas comment je vais prier. Ça ne change pas. Quand tu dis déjà ça ne change pas là, ça ne va pas changer. Comment ça peut changer? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ce sont des esprits sponsorisés par des agents sataniques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils travaillent fortement avec les agents sataniques. Je vous avais dit, ce sont des esprits qui sont au premier rang et qui attaquent la vie de l'être humain. Et les agents sataniques travaillent avec ces esprits déchaînés. Les esprits déchaînés peuvent même te bloquer, t'empêcher de comprendre ta délivrance, comment vivre ta délivrance. Ce sont des esprits. Oh my God. Quand nous allons commencer à parler de ça, tu comprendras ça. Ce sont des esprits qui agissent aussi par les moyens des incantations maléfiques. Il y a des personnes qu'on a fait des incantations, des prières maléfiques contre eux. Où on a appelé les anges de la mort. Ça veut dire les anges déchus maléfiques de la mort contre leur vie. On les a livrés aux esprits déchaînés. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ce sont des esprits qui sont assis et basés, consolidés par des malédictions et des alliances maléfiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Derrière chaque malédiction se cachent des esprits. Mais ces esprits-là sont dans la catégorie des esprits déchaînés. Écoutez, il y en a qui attendent qu'on parle de la malédiction là. Il faut que quelqu'un fasse des choses devant lui, qu'il parle et tout ça, et qu'il voie que ça c'est une malédiction. Non. Un homme qui te dit que tu ne te marieras jamais, un homme qui prononce ça de sa bouche, même d'une façon avec un sourire. Bien-aimé, est-ce que vous savez la puissance maléfique qui est derrière cette parole? Est-ce que vous savez qu'il y a des esprits veilleurs? Des esprits qui prennent des paroles et qui agissent et qui accomplissent ces paroles-là? Mais il y a des gens qui sont dans la sorcellerie inconsciente.
Il y a des gens où leurs bouches sont utilisées par des sorciers. Une mère qui te dit que toi, tu es bonne à rien. Sais-tu les esprits déchaînés qui sont derrière les paroles qu'elle a déclarées sur toi? Beaucoup de femmes aujourd'hui, des hommes, ne réussissent pas leur vie à cause de ce que leurs parents ont déclaré. Peut-être sous l'effet de la colère, mais les esprits déchaînés ont pris ça. Ils vont se vanter de ça. Ils ont dit, nous avons un droit. Toi qui as dit à ton fils, toi tu es bête. Tu es bête. Mais comment tu veux qu'il soit normal? Comment? Explique-moi. Quand toi-même dans ta bouche, tu fais la sorcellerie inconsciente. Les jours que je vous enseignerai sur la sorcellerie inconsciente là, c'est ces jours-là que beaucoup de chrétiens, ils sauront qu'ils sont en train de faire de la sorcellerie inconsciente, des fois en déclarant certaines paroles. Ils ne savent pas. Quand toi-même, tu as maudit ton fils, tu as maudit ta fille, quand toi-même, tu as des préférences, une femme qui t'a dit que tu ne trouveras jamais mieux que moi, mais ce sont des paroles de malédiction. Un homme ou une femme qui a dit que toi, depuis que tu as perdu ton mari, ou la famille de ton mari, ils ont déclaré que puisque notre frère est mort, toi tu resteras veuve toute ta vie. Tu resteras Tamar. La famille de ta femme a déclaré. La famille de ta femme a déclaré. Les gens déclarent que toi tu mourras, tu n'avanceras pas, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi tu veux commencer ton business. Tu veux que tout le monde sache que tu veux commencer. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais quand tu es en train de les dire là, tu sais pas, il y a des paroles de la sorcellerie. Et derrière, les esprits déchaînés. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les esprits déchaînés sont qui? Ce sont des voleurs spirituels à main armée. Oh. Je pense que je vais m'arrêter là parce que là, il y a encore beaucoup de choses à dire. Ce sont des voleurs spirituels à main armée. Écoutez, cher ami. Les esprits déchaînés, c'est la catégorie des esprits que tu ne peux pas jouer avec ça. Lorsqu'il faut les traiter, briser avec eux, briser leur puissance, traiter sévèrement leurs alliances, les renverser, les briser, tu dois être préparé spirituellement. C'est comme les enfants de Dieu jouent avec Dieu. Tu viens de ta boîte de nuit là et tu commences à dire, fire, fire. Mais bien aimé, de quelle fire tu parles? Tu viens d'insulter quelqu'un même là. Tu viens de critiquer là. Tu as fait 5 heures au téléphone. En train de parler de mal des gens. En train de descendre les gens. Et après tu viens, fire, fire. Bien aimé, nickel. Mais ce fire là va te prendre toi-même. Les esprits déchaînés, ce sont des voleurs à main armée. Tu viens de faire du maquerel. Tu fais du maquerel. Après, tu prends. Fais attention, ne joue pas avec Dieu. Voilà pourquoi il y a des personnes, même dans les domaines du combat spirituel, en connaissant pas comment briser, quel comportement avoir, comment je peux traiter systématiquement, avec sévérité, quelques catégories des esprits, bien aimés, ils tombent. Et ils sont frappés par des esprits. On ne joue pas avec les choses spirituelles. Ici, là, nous ne sommes pas en train de jouer. Il faut que la gloire de Dieu
se manifeste dans ta vie. Quelqu'un dit avec moi, il faut que la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec détermination, avec puissance? Est-ce que quelqu'un peut dire, il faut que la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie? Come on, dis-le avec puissance, dis-le avec puissance. Il faut que la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie. Oh yes. Dis encore, il faut que la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? 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 Maintenant, là où tu es, prends ta bouteille d'huile d'onction. Prends ta bouteille d'huile d'onction. Je vous avais dit, bien aimé, le 19, le 20, nous sommes à Lausanne, en Suisse, pour des entretiens et consultations prophétiques. Le 26, le 27 juin, nous sommes à Paris. Allez dans notre groupe WhatsApp et nous allons annoncer comment cela va se passer. Vous pouvez vous inscrire. Plus 225 75 37 03 36. Vous pouvez vous inscrire, bien-aimé. Et si, bien-aimé, vous savez que vous avez commandé votre livre et vous n'avez pas eu votre livre, ça sera une occasion. Nous serons à Bruxelles, nous serons à Paris, nous serons en Allemagne, nous serons en Italie, nous serons aux Antilles, nous serons en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, jusqu'à ce qu'on va commencer à faire nos grandes réunions que nous avons d'habitude à faire. Mais nous allons aller traiter de problèmes, cas par cas. Et vous savez, bien-aimé, au-delà de nos conférences de délivrance, nous avons des séances de délivrance, des véritables séances de délivrance, et nous allons le préparer comme ça, et la puissance de Dieu va se manifester. Aïe, je me rappelle de la séance de délivrance de Paris, c'était puissant et fort. Je me rappelle d'autres séances de délivrance que nous avons eues, c'était puissant. Ça veut dire que ça, ce n'est pas une réunion, et pas une réunion de prière, une séance, tu viens pour la délivrance. Guyane, on arrive. Hé, Guyane, on arrive. Ça va être puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez votre bouteille d'huile d'onction. Là où vous êtes, prenez cela. La mienne est là. Prenez votre bouteille d'huile d'onction. Levez ça dans votre main droite. Mabro sanderebe gasa. Rebo shandarabaga. Rabashenderebega. Mabro sanderebe sebro. Rebashenderebega. In the mighty name of Jesus. Si c'est prêt, dis-moi c'est prêt. Si c'est prêt, dis-moi c'est prêt. Écoutez, l'école que nous commençons avec vous, ça sera l'école de la délivrance. L'école de la délivrance. Et chaque jour, prends des notes. Le matin, le soir. Prends des notes, parce que nous voulons non seulement te faire tomber les écailles de tes yeux, mais te faire grandir spirituellement, parce que c'est ça le problème. On est trop faible spirituellement. Nous voulons grandir avec Dieu. Tiens ta bouteille dans ta main droite. Prends ta bouteille dans ta main droite. Dis avec moi fire trois fois. Come on. Fire. 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 Dis encore fire trois fois. Come on. Fire. Fire. Fire, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, Abba Père. Dis encore, Abba Père. Dis encore, Atta El Roy. Dis encore, Atta El Roy. Le Dieu qui me voit. Yahweh Adonai. Je sanctifie cette huile. Je déclare que cette huile me procure des hommages de Dieu et des hommes. Avec cette huile, j'entre dans la dimension de la distinction. Je suis distingué à cause de l'huile. Cette huile attire la faveur des hommes et de Dieu dans ma vie. La faveur me localise à cause de cette huile. Cette huile amène, attire la faveur des hommes et des dieux dans ma vie. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ,
je reçois les hommages de Dieu, les hommages du ciel et les hommages des hommes. Cette huile représente une arme pour éradiquer les œuvres de l'enfer. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Ouvre ta bouteille d'huile. My God. Yes. Prends de l'huile d'onction dans tes mains comme ça. Yes. Et pose ta main sur ta tête. Ta main droite, bien sûr. Pose ta main droite sur ta tête. Pose ta main droite sur ta tête. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Je viens parler à mon esprit. Toi, mon esprit, écoute-moi. Je te commande, à partir de maintenant, de refuser toute pénétration démoniaque. Que tu sois barricadé contre les accès démoniaques. Mon esprit, écoute-moi. Ainsi parle l'Éternel. Tu sors de toute prison démoniaque. Refuse tout ordre des esprits déchaînés. Mon esprit, écoute-moi. Je te parle dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Sois fort. Sois grand. Sois puissant. Monte en puissance. Toute bassesse d'esprit qui caractérise mon esprit soit brisée et détruite. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La peur est une bassesse d'esprit. La tristesse est une bassesse d'esprit. L'angoisse est une bassesse d'esprit. Aujourd'hui, je débarrasse mon esprit de toute bassesse d'esprit. Mon esprit sort des chaudières maléfiques. Mon esprit sort des chaudières maléfiques. Mon esprit sort des marmites sorcelleries. Mon esprit sort des prisons. Aucun démon, quelle que soit sa position, n'utilisera mon esprit. Je reste éveillé. Tout sorcier, tout serviteur de Satan qui a voulu utiliser mon esprit pour me manipuler, lâche son emprise. Que son emprise soit frappée et brisée. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout lien d'âme maléfique soit brisé. Que mon esprit soit séparé, séparé de toute malédiction des autels de ma famille. Mon esprit n'est pas maudit. Mais mon esprit est béni. Je reçois
la provision divine dans mon esprit. Tout barrage, toute barrière soit frappé maintenant. Que mon esprit sort. Des arbres de jugement, sorcellerie, que mon esprit sort du filet de l'oiseleur, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que mon esprit soit libéré maintenant. Que mon esprit soit libéré maintenant. Je commande à mon esprit de refuser toute nourriture dans les rêves. Je commande à mon esprit de refuser toute commande des hôtels de ma famille en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je commande à mon esprit de sortir de toutes sortes de prisons. Ainsi parle l'Éternel. Mon esprit sort de prisons sataniques. 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 Je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que mon esprit refuse tout ordre des sorciers de ma famille, tout ordre des occultistes de ma famille, tout ordre de Satan, des princes des ténèbres, des esprits déchaînés, des dominations, tout ordre des esprits méchants, tout ordre des autorités. Mon esprit refuse systématiquement ces ordres maléfiques au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que mon esprit soit libéré. Et je déclare une régénération dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh. Quelqu'un me dit très fort amen. Est-ce que tu peux faire monter le feu? Bien-aimé, cette prière, cette brève prière est puissante. Tu vas la faire aujourd'hui avant de dormir. Quand nous arrêtons le live, avant que tu t'endors, répète seulement cette petite partie-là. Et prends la vidéo, va et fais exactement ce que nous allons faire. Ce que nous avons fait. Et tu verras comment Dieu va te visiter. À partir de maintenant, le jeûne d'Esther s'arrête. Nous avons dit, après mon live, le jeûne d'Esther s'arrête. Après le live de Daddy, le jeûne de Esther s'arrête et nous commençons le jeûne normal à partir de demain. Ça veut dire si le jeûne d'Esther s'arrête maintenant, tu peux manger. Et nous commençons le jeûne normal dans le programme que nous avons. Nous commençons de 0h, un jeûne très léger, de 0h à 12h. Nous avons dit, si vous avez des prescriptions médicales, ne jeûnez pas. Si vous êtes enceinte, ne jeûnez pas. Si vous faites un travail très physique, ne jeûnez pas. Vous pouvez faire un jeûne léger si vous faites un travail très physique. Mais si vous avez des prescriptions médicales et vous êtes enceinte ou vous allaitez, ne jeûnez pas. Soyez fortement en prière avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est en train de manifester sa gloire. Et les mariages sont en train de descendre en cascade. Ne loupez pas votre visitation. Pour ceux qui ont bâti l'autel pour éradiquer les esprits
de désert du célibat et de bêtes sauvages. Les orientations sont dans votre groupe. Donc vous devez vous abonner de tous les autres groupes général, sauf le groupe de la famille révolutionnaire. Mais si vous êtes dans le groupe général, sorti du désert du mariage, sorti du désert du célibat plutôt, mariage restauré dans le groupe général, et que vous savez que vous avez bâti l'autel selon l'orientation que Dieu a donnée, sortez dans le groupe général pour vous concentrer à recevoir des orientations que je donne, bien aimé, dans ces groupes-là. Comment prier, comment utiliser les manteaux prophétiques dans ces programmes, comment faire ceci, comment faire cela, selon les directives du sacerdoce de Dieu que Dieu nous a donné. Donc, s'il vous plaît, bien-aimés, concentrez-vous aux orientations qui sont données. Il y a une forte puissance que Dieu est en train de se manifester. Dieu est en train de déployer sa gloire. Vous êtes dans le groupe d'or, concentrez-vous dans ces groupes-là à recevoir les directives que j'ai données par rapport au lavage prophétique. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était un réel plaisir pour moi. Et dans tout le groupe, nous donnons les orientations. Même dans le groupe général, nous donnons des orientations. Et je sais que Dieu se manifestera fortement. N'oubliez pas, ce week-end, nous sommes à Lausanne, la semaine prochaine à Paris, et nous vous donnerons la suite du programme. Belgique, nous arrivons. Je sais qu'il y a une forte soif. Et j'ai vraiment à cœur l'Allemagne dans mon esprit, parce que Dieu m'a longuement parlé d'Allemagne. Et je sais que Dieu manifestera fortement sa gloire. Et de partout que Dieu voudra que nous puissions élever des armées, des véritables soldats de Jésus. C'était un réel plaisir pour moi de partager ces moments avec vous. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Demain, 6h heure de Paris et 21h. Shalom.